Lundi, 5h22, tout le monde va bien? Ouais! Tout le monde est dans le flex? Ouais! Oh, nous sommes 4444. C'est bien comme chiffre. Ça fait zizir, ça. Oh là là, j'ai plein de commentaires. Je vais aller regarder ça. Je sais pas quoi veut dire. Ah, si, il pleut. Bizarrement, ou je sais pas, il y a des averses. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de la météo. Je reviendrai tout à l'heure, ok? Bon. Je regarde mes notifications. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai mes copines qui me parlent des gilets jaunes depuis je sais pas quoi. Parce que je suis pas en France. Je me suis non plus pas informée sur l'affaire. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gilets jaunes? Je sais pas, ça fait. Elles parlent tout le temps de ça, je ne comprends pas. Et en plus, je voulais dire qu'on a une nouvelle marraine sur la chaîne. Ça fait plaisir. Bonjour Alexia, Ori. Merci de faire partie de la. Tu commences bien ma journée. Et ça fait plaisir. Et tu commences bien mon lundi. Et merci beaucoup. Ça fait très plaisir de commencer sa journée. Je vois tu qui se mouche. Ça fait bien longtemps ça. Regarde. Le jour s'est levé. Bah, il s'est levé depuis il n'y a pas longtemps. Hein. Moi j'aime bien mes petits points météo. Je suis une vieille mémé. C'est pas grave, on assume. Qu'est-ce que je veux dire? Il est 8h12. J'ai fini le montage de la vidéo de demain. Demain ça va être un Q&A. Alors je sais pas quand est-ce que vous allez voir ça, mais si c'est déjà publié, normalement oui. Je suis ici. Surtout, j'ai essayé de couper le maximum possible, mais c'est parce qu'elle dure quasiment 40 minutes. Je sais pas qui va arriver à la fin, mais props to you. T'as tout mignon. T'as tout. T'as tout. T'as tout mignon. Elle s'en fiche. Et là, je vais faire de la couture pour une autre compagnie. Et je m'installe comme ça devant mon ordi et je fais ça pendant 3. Là, j'ai 3 heures pour le faire. Déjà, c'est très cool. Et je pense que ça va être le running gag de ce vlogmas. Nous allons attendre les lentilles. Peut-être aujourd'hui, on aura un peu de chance. Nous verrons bien. Priez pour nous. J'étais pas sûre et certaine de prendre quelque chose de la collection de Patrick Star, mais ce highlighter gigantesque. Attendez, où est-ce qu'il est? J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. Il est magnifique et de toute beauté. Donc j'ai pris ça. Et pour finir mon panier, parce que je vous dis du free shipping, j'ai pris un rouge à lèvres. Et j'ai pris Spank Me Santa. Les noms sont douteux, mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est une espèce de c'est un. C'est pas lui, pas en tout. Où il est? C'est pas lui, c'est lui. C'est lui, c'est une espèce de. Voilà. Rose sale. Ah, vous ne voyez rien du tout. Attendez, mes amis. Voilà. J'ai pris celui-ci. Je trouvais que c'était une jolie couleur et. Je vous cacherai pas que j'ai un petit peu envie de garder le packaging comme souvenir, comme c'est la dernière collection. Et cette couleur me plaît. Donc, est-ce que vous avez pris quelque chose de cette collection ou pas? Bon, j'ai fini la couture pour ce matin. Je suis encore en pyjama, je sais. Je pars dans 1h30, j'ai pas à m'habiller, je m'en fous. Je viens de voir que update pour mes lentilles. Comment vous dire? Ça a été repoussé encore une fois de quelques jours. Donc, je suis joie. Je suis la joie. Je suis la pinesse. Écoute, je pense qu'on veut me challenger cette année à faire des trucs différents. C'est ce que nous aurons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais puisque je suis là et qu'il me reste un peu de temps, je commence à écrire mes cartes d'Anaël. J'ai un petit cadeau à envoyer à une des marraines de Patreon. Et une petite carte. Et puis, ah oui, pour ce faire, j'ai acheté des crayons gel Jelly Roll blanc. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait une trop bonne idée. Attends, j'ai du fil partout.
parce que l'enveloppe elle est rouge, donc je vais essayer de faire avec. Voilà, c'était mon update du moment. Et puis je pense que ce soir on va faire le tapin, hein. Je pense il serait temps. Mais qu'est-ce ceci? Ça serait-il pas du vomi de la gnoute? Pourquoi elle vient toujours vomir dans ma pièce? Je ne sais pas. Heureusement que t'es cute, hein. Ouais, j'espère que t'as honte. Je vais pas me moquer de ton cadeau minuscule que je t'ai acheté, pas du tout. Non, je voulais juste vous raconter l'histoire du miracle de Noël. Je vous raconte cette histoire. Donc, ce matin, je vous disais que je n'avais pas mes lentilles. J'ai reçu mes lentilles! J'ai très hâte de recommencer à me maquiller. Hein, mais pour vous raconter... Mais t'en as pas besoin. Hein, pourquoi? De maquillage. Non, magnifique comme ça. Mais tu sais. Merci. Mais ça me manque de ne pas me maquiller, c'est pour le plaisir. Oui. Pour le plaisir. Se maquiller. Je préfère comme la chienne à Jacques aussi. De faire un... J'ai envie de manger des oignons au vinaigre. Mmh. Oui, on m'aimait. Oh, mais c'est la joie, écoute. Et du coup, bah... C'est ça, alors on a reçu, j'ai reçu. On a reçu. Non, j'ai rien reçu. Attends, je cherche l'oignon. Je regardais. Bienvenue dans le frigo. Je regardais le où en était mon colis parce que ce matin il disait que j'allais recevoir le 10. Et là, comme par hasard, j'ouvrais mon téléphone et j'étais directement sur le tracking number. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais regarder, on sait jamais. J'ai un malentendu, ça pourrait marcher. Et ça disait, a été livré. Et là, on est allé à la poste avec le papier. Et la fille de la poste, elle me dit, ah non, ça va être prêt que demain. Mais nous... Nous ne savions pas. Et comme la fille de la poste, on la connaît un peu, j'ai fait, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder, j'ai besoin de mes lentilles. Elle a quand même été regardée. Et là, merci. Donc on a usé de notre miracle de Noël pour avoir les lentilles de Danisha. Voilà, il n'y a plus d'autres miracles de Noël qui vont arriver ici. Ah, on a une question à vous poser au sujet de la question de la chanson Baby It's Cold Outside. Oui, le classique de Noël, Baby It's Cold Outside. Est-ce que ça vous offense, vous, en 2018? Est-ce que vous dites, ah mon Dieu, c'est quoi? Ou, un, vous parlez pas anglais, vous savez pas de quoi ça parle. Deux, vous savez pas qu'est-ce que c'est parce que c'est trop vieux. Ou vous êtes musulman comme moi, vous vous en foutez. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas du tout ça. C'est le truc... C'est que j'ai toujours dit à Mathieu que cette chanson-là, le gars était beaucoup trop malaisant et beaucoup trop pushy pour que la fille, elle s'en aille pas de chez lui. Et parce qu'il fait froid dehors. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est que la fille, elle veut se barrer, mais que lui, il insiste. Il dit, non, t'en vas pas. J'ai fait de la mousse au chou. Donc, excuse-moi. Non, mais en fait, en gros, l'histoire, ce que la chanson raconte, qu'on est caché. Non, vas-y. Moi aussi, je vais être comme ça. Vas-y, raconte. Salut. Oh. Alors, c'est quoi le reste de l'histoire? Avec Madame Vomito. Hello. Madame Vomito. Donc, ça raconte que la soirée achève. Elle veut rentrer chez elle. Et lui, il dit, mais tu sais, non, reste. Il fait froid. Elle dit, non, mais faut que j'y aille. Je suis décoiffée. Passe-moi ton peigne. Qu'est-ce qu'il y a dans mon verre? Qu'est-ce qui se passe? Là, lui, il dit, qu'est-ce que mes parents vont dire? Mon frère va m'attendre. Ma tante fait les 100 pas. Puis lui, il dit, il fait froid à chaque fois qu'elle lui dit quelque chose. Puis elle dit, non, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh! Au moins, on va penser que j'ai résisté. C'est ça qu'elle dit. Ouais. Puis lui, il dit, non, mais ma réputation et tout. Fait que bref, moi, je pense que... C'est des vieilles mœurs. C'est des vieilles mœurs. Je pense que dans le cadre de cette chanson, personne n'est à blâmer. Sauf non, peut-être Mère Nature, parce qu'il fait frais dehors. Ouais. Non, mais j'ai. Oh, c'est
c'est juste que ça, ça a mal vieilli. Mais j'admets qu'il est très insistant. Beaucoup, la chanson dure quand même 3 minutes. Là. Fait que pendant 3 minutes, il fait... Il est un peu insistant comme un parent qui veut que tu te resserres avec tes plats un peu. Ouais, allez, encore un peu. Allez, encore un peu, tu vas m'offenser. Tu veux descendre? Tu n'aimes pas ce que t'as mangé? Si. Ben, reprends. Non. Si. Est-ce que dans votre famille est comme ça? Dites-le moi. En fait, finalement, on va pas faire le tapin ce soir, on va le faire demain. On va pas faire le tapin, on a du budget. Et je vous embrasse. J'ai hâte de me maquiller. Oh my god. Qu'est-ce que tu fais? Je déposais le chat. Et je vous dis à demain pour prochain vlogmas. Qui va être peut-être une vidéo, peut-être un vlogmas. Là, c'est la surprise. Bisous.